On parle cinéma maintenant avec des gros bras sur les Champs-Élysées, Sylvester Stallone, Wesley Snipes ou encore Antonio Banderas. Les acteurs de The Expendables 3 étaient à Paris hier pour présenter le nouvel opus de la série, un film musclé et explosif, Laura Zéphirin avec Benjamin Lucas. S'ils sont tous venus, c'est d'abord pour lui, l'inoxydable Sylvester Stallone, Sly pour les intimes. J'aimerais bien être comme lui à 68 ans. D'ailleurs, Sly, si tu me regardes, tu me donneras la recette parce que... Il y a tellement de jeunes ici. Je suis bien content d'avoir mis de jeunes acteurs dans mon film. Le principe d'Expendables, des gros bras mis à la retraite qui reprennent du service. Pour le troisième volet, le casting rajeunit. Quelques beaux gosses, mais que les fans se rassurent, toujours autant de rides et de testostérone. J'ai beaucoup de respect pour tous ces fans qui nous attendent, dont certains depuis 5 heures ce matin. J'espère qu'ils retrouveront dans le film les sensations fortes et l'humour qu'on voulait leur transmettre. C'est ça votre équipe ? Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, avec Expendables, les vieux héros ne meurent jamais. On fait ce qu'on sait faire. La recette, d'abord de l'action. Ensuite, de l'action. Et pour finir, de l'action. Bien sûr qu'on se blesse souvent. Moi-même, j'ai dû subir une vingtaine d'opérations. Mais on veut que ça continue, car sinon, c'est trop calme. Moi, je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, on s'accroche, on joue. Et plus on joue, plus on reste jeune. T'aurais dû me tuer quand on a eu l'occasion. On a très rarement l'occasion de travailler avec l'un de ses acteurs fétiches. Mais d'en réunir 16 d'un coup, dans un seul film, c'est du jamais vu. Le public féminin apprécie aussi à sa façon. Ces mecs sont dingues. Nous, on accompagne nos mecs voilà, qui vont voir un film un peu d'action. Et puis nous, en même temps, on va se rincer l'œil parce qu'il y a des pépés et il y a également des petits jeunes. Et les papis flingueurs devraient se retrouver pour un quatrième épisode avec cette fois des Français. Stallone pense, dit-il, à Jean Reno ou Gérard Depardieu. Voilà, des Français au prochain épisode. Et le film sera en salle le 20 août prochain.